Je pense que l'harmonie dans une toile, moi, ça me vient peut-être de la musique. Je pense que la musique m'a peut-être appris l'harmonie en peinture, parce que je pense que c'est très proche. Il y a des éléments qui se répondent, il y a des éléments qui se chevauchent, des éléments qui s'entrechoquent et qui font que ça devient quelque chose de vivant ou d'intéressant. Les harmonies de construction, bon, ça, je crois qu'on a tous ces tics. Moi, je travaille avec beaucoup de premiers plans, je travaille avec. Parce que j'aime la terre, j'aime que la lumière vienne d'en bas, en fait. Hein, que tout. Quand on me voit travailler, que on voit que les sols viennent en dernier, enfin, toutes les parties. Ça, c'est parce que j'ai envie, comme quand je travaille l'eau, je travaille très peu de ciel, je travaille l'eau parce que le ciel est dans l'eau. Donc, j'ai envie que tout revienne par-dessous. J'aime bien les éclairages de terre, j'aime bien les éclairages qui viennent par-dessous. Mais ça, je sais pas si ça vient de l'harmonie. J'aime l'harmonie. J'aime l'harmonie dans la vie. J'aime l'harmonie. Donc, je pense que ça vient aussi de là. Ça se sent dans mes toiles. Je crois qu'on peint pas forcément très différemment de ce qu'on est. On est forcément représentatif de sa personnalité. On doit ressentir, à mon avis, chez un peintre, la fougue, ou la douleur, ou la sensualité, choses comme ça. Bon, on ne fait que projeter ce qu'on est. Surtout pas écouter ce que disent les autres. C'est travailler pour soi. Travailler en toute honnêteté. Subir le moins possible les modes et les conseils des autres. Aller vraiment dans le fond de ce qu'on a à dire. Et puis s'armer d'une patience énorme. Ne pas se décourager parce que c'est très long. C'est très long avant de trouver son style, parce qu'il faut malgré tout dépasser le côté technique, trouver sa façon de peindre pour dire ce qu'on a à dire, comme un écrivain à son style, comme un musicien à son doigté, un peintre aussi à sa façon de dire les choses. Et ça, c'est très long. C'est une chose qui est très longue à venir. On n'est pas peint du jour au lendemain. C'est comme on n'est pas abstrait du jour au lendemain. Tout ça, c'est au bout de plusieurs années de gamme, plusieurs années d'écriture, plusieurs années de peinture. Tout ça, c'est une chose de temps, une chose longue, une chose douloureuse. Et si vraiment on veut s'y mettre, il faut savoir tout ça au départ. Savoir que c'est pas tout gagné. Hein. Il faut bûcher, il faut aller beaucoup plus loin, il faut se remettre en question, il faut douter. Il faut douter en permanence. On est pleinement heureux, dans la mesure où justement la remise en question, le doute, vous font avancer énormément. Si on s'assied sur ses lauriers ou sur. Je sais pas, on n'avance pas. Moi, les plus belles journées, bon, je parle bien sûr en dehors du côté familial, mais les plus belles journées de travail, c'est des journées où le soir, je sens qu'une toile avance, où j'ai découvert quelque chose, où ça peut m'apporter quelque chose pour une toile à venir. C'est la découverte dans le travail qui fait qu'on avance et qu'on est tout à fait heureux, bien sûr. Moi, je suis un homme tout à fait heureux. Je suis tout à fait heureux parce qu'en plus, je sais que j'ai un chantier énorme devant moi. J'ai encore énormément de choses à faire et je n'aurai jamais le temps de tout faire, d'ailleurs. Mais je crois que c'est ça, c'est avoir l'envie, peut-être l'ambition et le besoin d'aller plus loin. Toujours gratter, gratter, gratter plus loin pour voir ce qu'il y a dessous. Et je pense, il y a toujours quelque chose dessous. C'est le jour où il n'y a plus rien dessous, qu'il faut s'arrêter. Mais c'est un métier, je ne sais pas si c'est un métier. C'est un métier puisqu'on en vit, mais c'est pas un métier, c'est pas une profession, c'est une passion. Et je crois que quand on est passionné par quelque chose, la vie est belle.